Hello! Bienvenue dans un nouveau reading journal. Euh, aujourd'hui, on change complètement de décor parce que nous sommes en vacances. Donc là, on passe quelques jours en famille. Je vous prends de la terrasse avec la vue sur la piscine, si c'est pas beau ça. Euh, donc là, on passe quelques jours en famille et puis après, on va descendre encore un peu plus bas dans le sud. Là, on est dans la Drôme. Euh, comme vous avez pu le voir, bah, ce matin, on s'est promené dans les bords de Drôme. Hier, euh, bah, aujourd'hui, on est quel jour? On est samedi. 26 euh, hier vendredi, je vous ai pas pris tout simplement parce que on a fait pas mal de voitures et puis l'après-midi on a profité de passer du temps en famille et je crois qu'on entend le camion de pompiers qui passe sur la route derrière. <laughs> je suis désolée pour tous les bruits et les parasites que vous pouvez entendre. Donc ouais, on va profiter au maximum. Je pense qu'il y aura peut-être plus de rush paysage que de rush blabla dans cette vidéo. Mais euh, les lectures sont quand même présentes et du coup je voulais vous parler de ma lecture en courte qui n'est autre que Siren de Melissa Scanu publiée chez Éditions Plume Blanche. Ce livre est totalement magnifique, comme euh, chaque livre des éditions Plume Blanche en fait on a toujours des petits euh, décors, des dessins, il euh, y a un travail éditorial de dingue. Donc euh, je dirais que là nous sommes dans de la fantaisie euh, vraiment... Uh, new adulte, parce que nous suivons Fay qui est tout juste uh, adulte, qui a 18 ans et qui a uh, des petits soucis sur terre dans sa famille. Elle se sent plus très à l'aise, euh, elle a très très mal au genou dès qu'elle n'est pas en contact de l'eau. Et il va se passer des choses qui va faire qu'ensuite elle va découvrir qu'elle n'est pas une terrienne mais une sirens. Attention, les sirens sont des créatures proches des sirènes, mais c'est pas tout à fait pareil. Ils ont pas tout à fait les mêmes propriétés au niveau du peuple. Et donc nous sommes dans un tome de découverte du monde où nous suivons du coup fait et ses aventures. Voilà. Euh, je c'est une lecture assez sympathique. Je ne pourrais pas dire que c'est un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Euh, pour moi, il manque peut-être un peu de développement dans les descriptions. J'attendais peut-être un peu plus. Mais bon, euh, je vous en reparlerai du coup autant voulu euh, lorsque j'aurai avancé dans cette lecture. Euh, je n'ai pas terminé. Il me reste quoi Les trois quarts du livre à lire. Et du coup, je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Donc, je vous laisse. Euh, je vais. Euh je sais pas en fait ce que je vais faire, si je vais lire, si on va pas tarder à manger ou pas. Euh, tout dépend. On vit totalement en décalé. Voilà, je vous fais du coup bah, des bisous puis je vous reprends tout bientôt. Hey coucou, je vous reprends en ce dimanche. Je ne sais plus combien on est, le 27 juin. Euh, J'espère que ça ira au niveau du bruit. Je me suis isolée dans la chambre pour pas qu'on ait trop de bruit, puisque bon, comme on est en famille, ça papote, ça papote. Euh, voilà. Donc ce matin, avec Gauthier, on allait faire une petite balade sur les remparts de sa ville natale. Et puis après, on est passé dans la plaine avec une vue magnifique sur le Vercors. Je pense que vous avez dû le voir dans. Les rushs que je vous ai mis précédemment, euh, franchement c'était un régal pour les yeux, je vous avoue que lui il est moins émerveillé que moi parce que il est d'ici, mais bon, euh, même si c'est pas très loin de là où on habite euh, en temps de route, on va dire à peu près une heure et demie, c'est de l'autre côté du Vercors, du coup on a une vue totalement différente, puis il fait beau, il fait bon, ça fait vraiment plaisir. Niveau lecture, j'ai pas mal avancé. Et j'ai lu euh, du coup Sirens de Melissa Scanu, publié chez Plume Blanche Édition. Ici, euh, nous sommes dans un premier tome. Ce premier tome est très contemplatif, c'est-à-dire que euh, pendant les deux tiers du livre, on découvre l'univers, le monde. Qu'est-ce que c'est un Sirens euh, Les différents complots politiques, les divers peuples dans cette catégorie. Euh, J'allais dire d'humains, mais c'est pas des humains parce que c'est des êtres marins. Euh, leur fonctionnement, tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet, les rebondissements et ce qui se passe actuellement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, au début, j'ai un peu eu des difficultés parce que j'ai trouvé cette lecture assez jeunesse. Je vais essayer de mettre le téléphone comme ça, mais c'est un peu bancal l'installation que j'ai faite pour vous parler, comme je suis pas à la maison. Et donc, euh, ouais, au début, c'est très jeunesse, on suit directement fait, euh, fait qui euh, ressent un mal-être. Elle comprend pas pourquoi et avec le temps elle a des douleurs qui arrivent et dont elle n'arrive pas à se dépêtrer tout simplement parce qu'elle a mal aux jambes et dès qu'elle s'éloigne de l'eau, bah ça ne va pas. Et euh, il va se passer des événements jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un qui va lui dire mais en fait tu n'es pas une terrienne, tu es une sirens, et qui va l'emmener découvrir le monde auquel elle appartient. Et là il y a tout un tas de révélations qui arrivent et on rentre vraiment dans la découverte de ce monde. Donc, l'histoire arrive très très rapidement, il n'y a pas de description euh, pour nous décrire vraiment avec euh, détail les fonds marins. Mais euh, l'histoire, le sujet, l'ensemble, la pédagogie euh, reste vraiment intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est assez jeunesse, même si c'est du young adulte, euh, c'est du young adulte plutôt jeunesse que tirant vers l'adulte. Voilà. Mais euh, c'était très divertissant et les rebondissements de la fin m'ont vraiment donné très très envie de découvrir la suite. Donc voilà pour mon avis en bref sur ce tome-là. Et euh, j'ai lu hier soir, attendez, j'ai sorti la mauvaise BD. <laughs> Hop. Voilà. Les sortilèges de Zora, de Judith Penienne et Ariane Delrieux, et c'est le tome 1, une sorcière au collège. Et là, nous suivons Zora et sa grand-mère Babouchka qui arrive à Paris. Zora est une sorcière assez intrépide, qui aime vraiment la magie, et sa vie de sorcière. Le problème c'est que il euh, y a une chasse aux sorcières qui est organisée, et pour sa sécurité, bah, sa mère a enfin pas sa mère, mais sa grand-mère a bridé ses pouvoirs et euh, veut qu'elle aille étudier au collège comme tous les enfants de son âge. Zora n'étant pas comme tout le monde, euh, elle va assez se faire remarquer au collège et pas forcément dans le bon sens. Donc euh, en fait, ça fait un peu comme si vous aviez un Harry Potter, mais au lieu de découvrir le monde magique, vous découvrez le monde non magique. Voilà, c'est vraiment euh, centré là-dessus, mais j'ai trouvé que cette bande dessinée... Euh, Aller beaucoup trop vite au niveau des péripéties, des rebondissements et de tout ce qui s'ensuit. Je pensais euh, vraiment découvrir euh, la magie, Zora et euh, découvrir en fait cette atmosphère de chasse aux sorcières qui les ont amenées là où elles sont actuellement et nous en fait c'est passé sous silence. Ça on le sait parce que c'est précisé euh, dans le résumé puis il y a une ou deux bulles qui l'évoquent mais voilà ça s'arrête là et moi j'espérais vraiment avoir quelque chose de plus détaillé. Mais le rythme permet vraiment de tenir un public assez jeune en haleine parce que celui-ci ne s'ennuie pas. Par contre, au niveau des graphismes, moi je trouve qu'ils sont magnifiques, très expressifs. Les couleurs sont chaudes et attrayantes. Voilà, les graphismes sont vraiment très très agréables à regarder. Je vous en montre deux, trois comme ça. Mais franchement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je vais essayer de trouver, vous voyez... Là, c'est des planches avec des personnages, on voit vraiment les expressions des visages, mais euh, ouais, j'en attends beaucoup du second tome, parce que celui-ci est assez décevant euh, au niveau euh, du scénario, que je m'attendais vraiment plus précis, plus développé, plus travaillé, mais au niveau des illustrations, je me suis régalée. Et j'ai commencé ce matin, euh, avant qu'on aille en balade, "Ames euh, indociles" de Emma Green, publié chez Éditions Addictives en format poche. C'est un roman qui, il me semble, je l'ai déjà lu il y a très très longtemps en format numérique, mais je me souviens plus exactement où j'ai lu des extraits, mais quelque chose comme ça. Et là nous suivons euh, Calliope, qui est une styliste, qui vient d'une famille assez célèbre et qui a été contrainte d'abandonner son enfant 5 ans plus tôt. Sauf que en fait, personne ne sait qu'elle a eu une grossesse, son père est pas très sain comme homme, on va dire que il, euh, il était pas tendre avec ses enfants, il y avait un peu une situation de maltraitance et euh, du coup elle avait un peu peur de donner son avis et maintenant elle souffre vraiment de la séparation avec sa fille mais un jour elle va découvrir une lettre qui va tout bouleverser, elle va déménager et elle va essayer de rentrer en contact avec celle-ci sauf que le papa qui élève cette fille qu'il a adoptée et eh ben, va l'attirer même si au début, il y aura une histoire qu'ils seront chien et chat. Voilà un petit peu le résumé. On apprend très très vite tous ces détails dans l'histoire et j'ai hâte de me plonger dedans parce que pour l'instant, j'ai passé un très bon moment avec ces premiers chapitres et puis je ne sais pas vous mais moi le duo d'autrice et magrine et eh ben c'est un duo d'autrice que j'adore et que j'affectionne particulièrement voilà pour ce qu'il en est de mes lectures je vais vous laisser là parce que je pense qu'on va aller préparer à manger en famille et puis qu'on va passer un petit moment ensemble et qu'on va faire une petite après-midi piscine on a des copains qui vont venir et tout aussi ça va être sympa ça fait du bien de retrouver une vie sociale voilà je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt Hello, hello, je vous prends tardivement en ce lundi 28 tout simplement parce que aujourd'hui j'ai terminé le livre de Emma Green, âmes des éditions addictives. Et je suis très perturbée puisqu'il y a mon chéri qui me regarde de l'autre côté parler alors que d'habitude je me mets toute seule dans une pièce. Donc en fait, c'était pour vous dire que ce livre il est vraiment génial. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré euh, les protagonistes, le côté prenant. Euh, en fait, il y a tout qui est bouleversant et pourtant, il y a ces personnages qui arrivent à mettre un grain de folie, une touche humoristique. Et ça rendait en fait l'histoire beaucoup plus fraîche et c'était vraiment génial. Donc en fait, on suit Calliope dans cette histoire, elle a 22 ans. Et il faut savoir que Calliope, c'est pas une jeune femme qui a vécu une vie d'une femme qui, à cet âge-là, elle a souffert parce que bah, son père l'a maltraitée tout ça. Et lui enlever son enfant qu'elle a eu très jeune. Elle va partir à la recherche de cet enfant qui a disparu et elle va faire la rencontre de son père adoptif. Et elle va essayer, du coup, de rentrer dans cette famille afin de connaître sa fille et d'approvisionner, non, d'apprivoiser le père. Qui, lui est très protecteur envers elle et nous sommes dans une histoire vraiment de famille, de reconstruction, d'amour et c'était beau. Il y avait un petit air de vacances avec l'océan. Euh, les personnages, ils sont tous attachants. Ils ont cette histoire qui est totalement atypique. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Euh, je suis tombée amoureuse de ce couple. Euh, on voit pas les pages défiler, Là, je vous dis, c'est un format poche. Mais euh, il fait 523 pages, c'est écrit petit et elle défile toute seule. Donc là, c'est âmes indociles Et il y a plusieurs spin-offs d'après ce que j'ai compris. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, alors euh, il y a le spin-off de d'autres personnages avec corps impatients et l'autre avec cœurs insoumis. Donc euh, voilà, comme ça en fait on ne quitte pas nos personnages et tous ces personnages, que ce soit les protagonistes principaux ou secondaires, puisqu'on en suit plusieurs d'une même famille, ils ont tous cette histoire qui est bouleversante. Est, ils ont vécu des choses qui ne devraient pas être vécues et c'était vraiment pff, incroyable. Franchement, je peux que vous le conseiller. Bon, je vais arrêter là parce qu'il est tard. Euh, je vous reprendrai beaucoup plus tard parce que demain. C'est départ dans le sud. Je vous prends assez tardivement en ce mardi 29 juin. On a bien bien profité de la journée comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, mais je venais surtout vous parler de Sign of Affection de Sou Morishita, le premier tome publié chez les Éditions Agatha que j'ai lu tout à l'heure sur la plage qui est un petit shoujo vraiment Très mignon, très agréable à regarder, les traits sont d'une finesse incroyable, l'histoire elle est assez bateau pour un shoujo même si on aborde la thématique du handicap. Nous suivons Yuki qui est une étudiante mais elle est sourde, elle vit sa vie normalement comme tout le monde et elle va faire la connaissance de, comment il s'appelle déjà Rin, et Rin lui c'est ce garçon là ultra populaire qui est dans la même fac qu'elle mais qui est aussi très libre, il parle beaucoup de langues, il a le contact facile avec tout le monde dès qu'il a l'occasion de voyager, il le fait et même s'il parle beaucoup de langues, il ne parle pas la langue des signes et... Entre eux, il va y avoir une relation plus ou moins ambiguë, avec des petits gestes par-ci, par-là. Et Yuki, elle va pas savoir si c'est dû à des sentiments, ou si c'est simplement parce qu'il est amical. Elle va se poser des questions si c'est de l'amour ou de l'assurance, plein de choses comme ça. Et c'était assez mignon. Euh, je dirais pas que c'est le show du siècle, mais euh, les dessins euh, expriment énormément de choses. Et la thématique est assez sympa. J'attends de voir ce que nous apportera la suite de ce manga parce que j'en attends beaucoup plus. Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture en cours. Je vais vous laisser, je vais profiter de ma soirée et je vous fais des bisous jusqu'à ce que je vous retrouve pour une prochaine lecture. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve en ce mercredi 30 juin euh, sur la plage. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je n'ai juste euh, pas le livre à côté. Tout simplement parce que euh, je l'ai laissé euh, dans la voiture. C'est un petit peu dur à transporter euh, sur euh, les kilomètres que l'on fait à pâte. Là, du coup, je l'ai pris en mode euh, sur ma liseuse. Ce sera plus facile à lire sur la plage. Du coup, j'ai commencé Ocean Ice de Wendy Donella. Je vous en parlerai en détail quand j'aurai avancé dans ma lecture. Pour l'instant, ça a l'air d'être une lecture assez compliquée, mais vraiment, vraiment très prenante. Euh, j'ai bien aimé les trois premiers chapitres. C'est très, très bien écrit, très sympathique. Qu'est-ce <laughs> que tu fous, toi <laughs> euh, Ouais, j'ai passé un excellent moment. Bah, sinon, nous, ça va. On profite bien, on cuit bien. Là, j'ai des bons coups de soleil. Heureusement qu'on a la tente là pour s'abriter. Et... Euh... J'ai plein plein d'ampoules sous les pieds. Je ne savais même pas que c'était possible d'en avoir sous les pieds. Mais je pense que les tatanes pour marcher euh, toute la journée sont pas forcément les plus adaptées. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, je vous prends en ce vendredi 2 juillet. Ça y est, on est de retour à la maison. Je vous avoue, j'avais vraiment, vraiment pas envie de rentrer. On aurait pu rester un peu plus longtemps dans la famille, mais le problème, c'est que, bah, par rapport à toujours mes soucis de voiture, on avait des pièces, des choses à récupérer et on avait des courts délais pour euh, prendre tout ça au point relais. Donc, euh, ça nous a obligés à rentrer pas trop tard. Euh, bon, bah, c'est fini, les décors paradisiaques. On n'aura plus la mer. On n'aura plus les belles montagnes du Vercors. On aura juste euh, l'agglomération grenobloise. Et voir Voilà. Alors, euh, je vous avoue que ce matin, ça m'a fait bizarre parce que du coup, euh, j'avais pris l'habitude en fait de dormir dans le calme avec simplement bah, le bruit de la nature. Et là, ce matin, c'était le bruit des camions, le bruit des, des travaux. Enfin, voilà, c'est tout de suite moins glamour. Euh, et puis bon bah c'est pareil, on était tout le temps dehors. Et là bah on est en appartement sans balcon, donc forcément <laughs> on est enfermé. Il va falloir reprendre nos habitudes. Heureusement, on, il nous reste encore une semaine de vacances, donc on va se promener. Mais la différence c'est que là-bas pour se promener, on n'avait pas besoin de prendre la voiture, qu'on était garé, on avait plein de sentiers à porter comme je dirais où on pouvait euh, aller UT, passer un bon moment, se poser euh, dans un cadre idyllique, que là bah tout de suite faut sortir de la ville et pour sortir de la ville il faut prendre la voiture. Voilà bon sinon euh, je vais vous parler lecture euh, hier sur le trajet euh, j'ai lu Ocean Eyes de Wendy Donella, enfin j'ai lu je l'ai pas terminé, j'en suis à peu près à 50% de ma lecture, oh, peut-être plus de 60 où nous suivons Madi et puis nous suivons euh, Darek. En fait, Maddy, elle a eu une histoire assez compliquée. Ses parents ont péri dans un incendie et elle a grandi en famille d'accueil et sa sœur Dina, qui était beaucoup plus âgée qu'elle après la prise en charge. Sauf que sa sœur Dina, elle avait l'habitude d'exploiter les hommes et leurs richesses pour pouvoir euh, leur extorquer de l'argent et vivre euh, de manière assez aisée. Et elle avait embarqué bah, sa sœur euh, avec elle. Sauf que Maddy, elle, elle n'aime pas Contact avec les hommes. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle est très très réticente, mais euh, sa soeur Dina, elle, elle est plus assez olé olé. Voilà. dit elle va vouloir s'éloigner de tout ça et elle va profiter de son entrée à la fac pour retrouver une vie normale. Sauf que sa soeur lui dit qu'il y a le fils d'un grand homme assez riche euh, qu'elle aimerait beaucoup extorquer et elle demande à sa sœur Maddie de nouer des liens avec elle. Maddie va totalement refuser, sauf que ce garçon a les yeux océans, que ce garçon qu'elle hum, exècre et qu'elle ne veut absolument pas s'approcher de lui en fait va l'attirer et en fait lui aussi il y aura cette attirance mais Maddy va sans cesse se poser la question si elle est attirée par lui par sa personnalité ou simplement c'est l'influence de sa sœur qui joue sur elle voilà euh, pour l'instant c'est une bonne lecture au début j'ai eu un peu du mal avec les protagonistes je n'arrivais pas à, à rentrer dans leur personnalité ou plutôt à à m'attacher à eux, voilà, c'est ça le bon terme. J'imaginais vraiment quelque chose de plus tranquillou, de plus euh, addictif au niveau des personnages. Et puis j'ai avancé dans ma lecture hier, j'ai et là enfin c'est venu mais ça a mis du temps à venir cet attachement au personnage euh, le fait que je les apprécie tout simplement parce qu'au début ils m'auraient épilé je vous en redirai plus bah, sûrement dans le prochain vlog quand j'aurai terminé ce livre et euh, j'ai un livre que l'on m'a prêté, enfin, c'est quelqu'un de la famille qui me l'a prêté. Il s'agit d'une autrice euh, de la Drôme qui l'a écrit. C'est une trilogie de fantaisie, quête primaire. C'est de Céline mouret et Coraza et c'est publié chez les éditions créées. Et là, c'est le tome 1, Les éléments de vie. Donc, ici, nous serons dans une histoire euh, qui est euh, vraiment banal en fantaisie parce que nous allons faire la rencontre de Nosaro qui est un dragon noir et euh, il va rencontrer une héroïne et ensemble en fait ils vont euh, s'allier et mener une quête. Voilà tout ce que je peux vous dire de ce roman. Euh, il est assez gros, il fait 500 presque 500 pages, mais vous voyez, c'est écrit vraiment tout petit. Alors ça m'a perturbée quand je l'ai feuilleté parce que euh, j'ai l'habitude que ce soit écrit beaucoup plus gros dans les brochets. Et là c'est écrit aussi petit que si c'était un format poche. Donc euh, voilà pour le petit prêt qu'on m'a fait dans la famille. Euh, on m'a dit que ça correspondait totalement à mon genre littéraire et du coup voilà. Oh il y a même le marque-page qui va avec. Puis il y a la dédicace qui est qui est euh, pour la personne concernée. <laughs> voilà. Et euh, dans la boîte aux lettres j'avais une réception Alors j'ai très ouvert le colis parce que j'étais très curieuse Et euh, je me demandais de qui ça venait puisque j'attendais rien Il y a zéro commande, il n'y a rien du tout Donc ça pouvait être soit un cadeau ou un service presse Et c'est un service presse Donc j'ai vu que ça venait des éditions du Chat Noir dont une sortie qui me faisait trop envie et que j'attendais. Je l'avais vue euh, sur euh, les réseaux sociaux et j'avais trouvé la couverture absolument sublime. Il s'agit de Double Rêve de Mina M. Voilà la couverture. Regardez-moi cette beauté avec les reflets, tout ça, tout en... Oh, mais je suis fan du travail éditorial. Euh, on a encore... Euh, Regardez-moi ça, séparation entre chapitres et tout. C'est pas magnifique comme travail éditorial. Donc, je ne connais pas les résumés, je vais tout simplement vous les lire. Donc, qu'est-ce que la réalité Les souvenirs sont-ils fiables Pourquoi nous ont-ils abandonnés Très tôt, ces questions s'imposent à l'esprit d'Alcidi, qui, pour se protéger d'une réalité qui l'effraie, se réfugie dans un ailleurs enchanteur. À l'aube de ses 15 ans, alors qu'elle se trouve perturbée par ses perceptions singulières qui interfèrent avec son imagination et ses souvenirs, les frontières entre sa vie réelle et le rêve se dissipent peu à peu conduisant ces mondes à s'entremêler. Progressivement, Alcidi perd les notions de temps et d'espace et elle se noie dans son propre esprit, alors guidée par d'étranges créatures, elle glisse au sein d'un univers insondable, illuminé par un crépuscule éternel le clair-obscur. Y trouvera-t-elle du réconfort un moyen de faire face ou sombrera-t-elle plus profondément encore dans les limbes de son esprit rêveur donc derrière il y a marqué que c'est de l'onirisme du conte et de la perception et regardez moi même la quatrième de couverture est absolument incroyable donc attendez j'ai le dossier presse juste là donc le roman il coûte 19,99 dans la collection Cheshire et il, sort, il est sorti le 23 juin. Voilà. Hop, hop, hop. Et ensuite j'ai reçu un autre livre, du coup c'est anthologie. Et donc lui il est à 14,90 et il fait partie de la collection Griffes Sombres. Donc là, on a une couverture qui est très, très sobre avec des nuances de noir, mais le neuf qui est en surbrillance. Euh, tac. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Celui-ci me fait un petit peu moins envie. L'intérieur est très, très sobre. Très, très sobre au niveau des paginations. Mais je vais quand même vous lire. Euh, le résumé de la quatrième de couverture pour voir si ce livre vous tente vous. Neuf mois, une vie, il y a des chiffres dont la symbolique est profondément ancrée dans notre ADN. Des muses qui ont inspiré nos symphonies et aux créatures qui ont fait fantasmer notre imagination et écrit nos mythes. Le 9 se retrouve dans toutes les civilisations. Neuf ans, neuf vies, pour fêter son neuvième anniversaire, le Chat Noir vous invite à découvrir leur dernière anthologie, 9. Avec plusieurs nouvelles. Alors en fait, voilà, c'est ça. C'est un livre où il y a plusieurs nouvelles de plusieurs auteurs. Donc, qui est de Sophie Abomang, Jérôme Acouche, Céline Chevet, Clémence Godefroy, Gwendoline Kist, Émilie Malherbe, Eden R. Martin et Mathilde Verboz et Jean Vigne. Voilà, du coup, pour mes réceptions. Mais je vous avoue que celle qui me fait vraiment très envie, c'est celle-ci. Elle est trop trop belle et elle me tente beaucoup trop. Voilà, du coup, pour mes réceptions, mes lectures, je pense que dans ce vlog il y aura plus de paysages que de parlotte. J'espère que ça vous aura quand même plu. Euh, moi j'étais ravie de vous emmener avec moi bah, dans les lieux que j'ai visités, que j'ai vus. J'en ai pris plein les yeux. Euh, on a bronzé, on a pris le soleil, on avait un temps magnifique. Alors que bah, dans le coin on m'avait dit qu'il faisait un peu pourri. Et euh, moi j'ai mes parents qui sont partis en vacances en Vendée et eux ils ont eu. Des orages. Donc nous, on a eu un temps superbe et franchement, ça fait vraiment du bien. Ça faisait bien neuf ans que je n'étais pas sortie de la région, donc vous imaginez pas à quel point ça fait du bien. C'était pas forcément le meilleur moment financièrement pour partir, mais on en avait vraiment vraiment besoin. On avait besoin de s'évader, de sortir de ce quotidien, de tous les soucis en fait qui nous ont absorbés ces derniers temps qui ne sont toujours pas réglés d'ailleurs, mais au moins pendant quelques jours on n'y a pas pensé et ça c'était vraiment top top top. J'espère que vraiment tout va bien pour vous que si vous n'êtes pas encore parti en vacances, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir profiter et même si vous partez pas, vous allez pouvoir bah, prendre du temps pour vous, vous ressourcer parce que vous dire ce qui est ça fait du bien. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est toujours un plaisir bah, de vous répondre et puis bah tous vos petits partages, vos commentaires, vos likes et ben bah, ça vous permet aussi bah, de faire vivre la chaîne, de la faire connaître et de euh, d'être référencée tout simplement sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.